Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier comment valider l'offre d'un produit, d'un service. En fait, comment évaluer la qualité d'un produit pour qu'il trouve intérêt aux yeux de votre client, de votre prospect. À l'agenda, nous verrons quelles sont les spécificités des études entrepreneuriales, les étapes de la méthodologie à développer, comment identifier les critères, évaluer ces critères par rapport aux concurrents, et ensuite les limites de pareilles études. Parlons d'abord des spécificités des études entrepreneuriales. De manière générale, les études entrepreneuriales poursuivent trois objectifs. L'entrepreneur doit valider l'intérêt du consommateur pour son offre, disposer d'une évaluation du marché potentiel et fixer le prix de son produit ou service. Nous nous intéresserons à ce premier objectif, comment valider l'intérêt du consommateur pour son offre. Le but est d'établir la viabilité de son projet entrepreneurial. Première étape de la méthodologie, nous allons identifier les critères nécessaires qui apparaissent prédominants aux yeux du consommateur. Ensuite, nous allons mettre en place un dispositif pour évaluer les préférences et nous analyserons finalement. Pour identifier les critères, nous allons utiliser deux sources importantes d'informations. La première, une enquête précédente, et donc nous allons utiliser la recherche documentaire pour prendre connaissance des résultats de cette étude qui aurait déjà défini des critères antérieurement, ou mettre en place une étude qualitative qui va permettre de comprendre les mécanismes de raisonnement du consommateur, de l'acheteur d'un produit, d'un service spécifique. En pratique, dès le moment où nous aurons réussi à obtenir ces résultats, nous allons, avec une étude quantitative, évaluer les préférences des consommateurs. Le principe est le suivant, le consommateur doit d'une part comprendre les critères proposés, il ne faut pas qu'ils soient trop techniques, il faut qu'ils soient compréhensibles en ce qu'ils concernent et qu'ils puissent exprimer ses choix de manière spontanée ou aidée. En pratique, nous développerons un questionnaire avec deux questions. La première, quand vous achetez un produit alimentaire, quels sont pour vous les critères de choix les plus importants? Les résultats seront placés en colonne spontanée. On va identifier le premier cité des autres spontanés. Et ensuite, une seconde question pour analyser les choix aidés. Je vais vous citer à présent une série de critères de choix d'un produit alimentaire. À chaque fois, je vais vous demander de donner une cote entre 1 et 5. 1 signifie que ce critère n'est pas du tout important. 5 signifie que ce critère est tout à fait important. Le consommateur sera invité à donner un avis, ce qui nous permettra d'obtenir à la fois des choix spontanés et des choix aidés, les choix aidés pouvant être visualisés via un différentiel sémantique. Quand nous avons ces résultats, nous pouvons les analyser. Les analyser, nous allons obtenir finalement deux colonnes d'un tableau. La première colonne reprendra les critères et ensuite le pourcentage de répondants qui ont identifié ces critères. On le fera d'un côté en mettant le top of mind, c'est-à-dire le premier cité comme critère, et ensuite un second tableau qui va reprendre les autres spontanés. Le principe sera de distinguer ces préférences top of mind. Quels sont l'objectif de ces top of mind? Ça va nous permettre de déterminer les attributs saliants. Et ensuite, les autres préférences spontanées. Continuons dans les résultats et nous voyons ici que nous avons un graphique permettant de reprendre d'une part le top of mind en turquoise, le spontané en bleu et l'aidé en vert. Attention, les spontanés sont les autres spontanés, donc en dehors du top of mind, ce qui fait que l'on peut additionner les différents résultats. L'addition de ces différents résultats permet d'obtenir un classement descendant du critère le plus important en haut au moins important en bas. Le principe, c'est qu'il nous faut distinguer ces fameuses préférences top of mind, on les voit en turquoise, les autres préférences spontanées et les préférences aidées. On va ainsi identifier les préférences saliantes, c'est les critères qui servent à la décision finale du consommateur,
ce sera le top of mind, et ensuite les préférences déterminaires, les critères d'évaluation et d'appréciation. Alors, on les voit ici apparaître. Les trois attributs saliants, ce sont ceux qui reçoivent le plus d'intérêt de la part des consommateurs en top of mind. Par ordre décroissant, ce sera d'abord le prix, la qualité et ensuite la fraîcheur. Nous avons ensuite les préférences déterminantes, donc les critères qui font la différence aux yeux des consommateurs. Nous avons ainsi le goût, la sécurité et l'odeur du produit. Ce qui signifie que pour que le consommateur prenne en compte un produit, il faut que les attributs saliants soient rencontrés. Mais ensuite, quand tous les produits répondent à ces attributs saliants, le choix final sera dicté par ces préférences déterminantes, les critères d'évaluation et d'appréciation. Il existe plusieurs thématiques d'études d'un nouveau produit, d'un service. À chaque étude d'un nouveau produit et service, on peut définir différentes étapes. On va partir du test de concept au test de produit, test de goût et de dégustation, test de positionnement. Évidemment, les tests qui se situent en haut de la liste sont moins précis puisqu'on teste un concept. Imaginez que vous interrogez quelqu'un sur la possibilité de découvrir un nouvel hamburger à la confiture et au poivre. En termes de test de concept, le consommateur devra s'imaginer ce que ça signifie. Si maintenant il peut tester le produit, il peut le goûter, le déguster et connaître son prix, il aura un avis beaucoup plus pertinent. Ces techniques d'études entrepreneuriales vont bien sûr permettre de mesurer certains éléments spécifiques. Dans le test de concept, on peut décrire de manière orale ou écrite le produit. Ça sera important que sa description soit le plus neutre possible et l'idéal est de travailler avec une annonce publicitaire factice ou une maquette d'un nouveau produit. On va voir tester la compréhensibilité, la vraisemblance perçue, le niveau de besoin, l'intérêt éprouvé, la valeur perçue, la cible, la fréquence d'achat. Dès le moment où on va passer dans un test de goût ou de dégustation, on va avoir besoin d'un prototype. Comme un test d'acceptabilité, comme un test de conditionnement, ce sera un prototype d'emballage ou même un test de nom. À chaque type de test, on pourra tester des choses différentes. On pourra tester l'appréciation, l'envie de le consommer, les critères de goût spécifiques aux produits. Ce ne sont pas les mêmes critères, par exemple, pour un produit alimentaire, pour une boisson, pour un parfum, pour un nom, on parlera d'évocation, de perception, de distinction, de déclinaison, de phonie, de lisibilité, de visualisation, de signification, de mémorisation, de préférence et d'adaptation du produit. Enfin, les tests de positionnement vont être établis sur base d'un produit fini et donc on pourra mesurer l'identification, la connaissance, la perception, les attitudes et préférences, les intentions, l'essai, l'achat et le réachat. Pour comparer les qualités d'un produit, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle l'indice de Fishbane. Le principe est assez simple, c'est une méthode quantitative, donc une enquête par sondage, qui va permettre de déterminer un indice global. Cet indice global est finalement une somme pondérée du degré de présence d'un attribut par rapport à son importance relative pour chaque produit. La méthode, l'indice de Fishbane, ne fonctionne que si on a déterminé au préalable les attributs pertinents à utiliser. D'où la nécessité d'avoir cette analyse présentée ci-avant. On va tester l'importance des attributs et on va tester la présence des attributs pour chaque produit, service ou marque considérée. En pratique, comment va-t-on mesurer le degré de présence des attributs importants dans le choix du produit? En fait, on va demander au répondant d'attribuer une cote et on va calculer la valeur moyenne. Par exemple, on pourrait formuler la question comme celle-ci. Je vais vous citer une série de critères qui interviennent dans le choix de ce produit. On cite la marque et le produit. À chaque fois, je vais vous demander de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie que ce n'est pas du tout le cas. 5 signifie que c'est tout à fait le cas. Ainsi, si je vous dis, on cite le nom du produit, le produit est bon marché,
Quel code de la 5 lui attribuez-vous? C'est relativement facile. Deuxième élément, on va mesurer l'importance. L'importance de chaque attribut et calculer une moyenne globale. On pourrait formuler de la manière suivante la question. Ces critères n'ont sans doute pas la même importance à vos yeux. Je vais vous demander à présent de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie ce n'est pas du tout important. 5 signifie c'est tout à fait important. Ainsi, si je vous dis, on cite l'attribut, le prix, quelle cote de 1 à 5 lui attribuez-vous? Voici les deux éléments à prendre en compte. Le résultat se présente sous la forme d'un tableau. Ici, dans ce tableau, nous sommes en présence de trois marques, la marque 1, la marque 2, la marque 3, et d'une colonne qui relève l'importance de chacun des critères, les critères étant en ligne horizontale, le prix, la qualité et la variété. On voit que l'importance du prix est de 5, la qualité est de 4 et la variété de 1. Ce sont les chiffres en vert. En rouge, nous avons l'évaluation de chaque marque pour chaque attribut. Ainsi, la marque 1, le prix vaut 8. Pour la marque 2, le prix ne vaut que 5. Et pour la marque 3, le prix vaut 7. Pour la qualité, respectivement, 4, 8 et 7, marque 1, marque 2, marque 3. Pour la variété, la marque 1 recueille un degré de présence de 2, la marque 2 de 8 et la marque 3 de 4. À ce moment-là, nous allons calculer l'indice. L'indice, c'est donc une somme pondérée. Pour la marque 1, nous allons le prix de 8 multiplié par l'importance 5, plus 4, le degré de présence à qualité fois l'importance de la qualité 4, plus le degré de présence à variété 2 fois l'importance 1, ce qui nous fait un total de 58. On refait le même exercice pour la marque 2, 5 fois 5 plus 8 fois 4 plus 8 fois 1, soit 65. Et pour la marque 3, 7 fois 5 plus 7 fois 4 plus 4 fois 1, 67. Premier enseignement, on voit que la marque 3 est la plus appréciée. En fait, elle a un indice de 67. La marque 2, elle est un peu moins appréciée, mais imaginons qu'elle diminue légèrement son prix. Et donc, si le prix diminue, ça signifie que son appréciation va augmenter. Va passer, par exemple, de 5 à 6. La valeur de la marque 2 va être augmentée, non pas de 1, mais la différence entre 6 et 5, 1, mais fois l'importance 5. Donc, va être augmentée de 5 et le total va passer de 65 plus 5 à 70. Elle devient ainsi la marque préférée des répondants. L'intérêt de l'indice de Fishbane, ça permet après enquête d'essayer de repositionner le produit et voir les gains que l'entrepreneur, le producteur aura en modifiant la perception de son produit.